Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Z, AOZ. Les amis, comme promis, une vidéo spéciale encore une fois, Tower Defense. On va s'attaquer pour continuer le mode difficile et passer les paliers. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le deuxième lien en description de toutes les vidéos. Oui, le deuxième, car le premier, c'est le lien pour télécharger le jeu. Donc, n'hésitez pas à le download. Vous pourrez utiliser le redeem code si votre compte a été créé après le 1er décembre. Et ce code n'est valable que jusqu'au 1er janvier. Patatou avec un P majuscule A-T-A-T-O-U. Les amis, faites-vous plaisir. C'est cadeau, c'est pour moi. Alors, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on a migré. Puisque je me suis, on a déplacé sa ville, j'ai été sur le camp de mon alliance car ça commençait à être tendu, je me faisais un petit peu trop attaquer. Là ça va pour le moment, je ne prends plus d'attaque, vous le voyez, mon hall principal va bientôt passer niveau 15 dans un peu moins d'une heure. Je vous le rappelle, hein, il faut monter les troupes et monter le hall, c'est une priorité. Et aussi à présent maintenant, monter le mur et les tourelles pour se défendre, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, et vous allez croire que je suis à l'ouest, mais regardez, j'ai découvert quelque chose que vous connaissez déjà tous à mon avis, et c'est pas la première fois que cet onglet, je mets plusieurs jours, si ce n'est semaines, avant de le voir sur mon iPad. C'est un petit peu différent, mais quand même, regardez sur la gauche de l'écran, il y a une petite flèche, je ne l'avais jamais vue. Vous cliquez et vous avez tous vos bâtiments en cours. Alors moi, je me prenais la tête à cliquer sur chacun des bâtiments, aller les chercher sur la map, alors qu'il suffit de cliquer sur passif, vous faites recruter, passif, recruter, passif, recruter. Bon, franchement, c'est de la balle. Je n'ai plus à me prendre la tête, accélérer en un clic si je le veux. Bref, franchement, là, pareil, hein, je peux aller faire le développement. Je continue actuellement sur l'architecture. Plutôt que me prendre la tête à aller tous les chercher, vous voyez, il y en a même là où je peux aller faire directement les attaques avec des mobs bien sympas. Bon, niveau 4, il est easy peasy celui-là. Mais bref, en tout cas, on retrouve tout ici. Et franchement, c'est ultra pratique. Là, il me met même quand j'ai mes tentatives gratuites où je peux recruter. Je vous ferai une petite ouverture, hein, vous pourrez voir. Je fais ma recruter une fois gratuitement, tranquillement. Vous voyez, on peut tous aller les chercher. Il me dit aussi quand je peux ouvrir, quand je peux augmenter comme ça en leur donnant une injection. Il y a toujours la tentative, il me l'a mise. Pourquoi il me met toujours qu'elle est gratuite? Ouais, ça doit être celle-là qui est là. Non, c'est celle-là qui est là. Très probablement, traitement. Oui, c'était la deuxième. Donc là, en revanche, il ne m'a pas switché automatiquement. Et la dernière qui est ici, alors c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. Là, je ne vois pas ce qu'il veut que je fasse. Tentative restante 15. Quelle tentative de guerre, de production? Là, je ne vois pas quelle tentative il parle, mais ce n'est pas grave. Alors les amis, passons à présent au Tower Defense. On va se faire un mode guerre classique. Je vous ai fait un déferlante sans fin. Je vous ai montré mon niveau médiocre en déferlante sans fin. Mais comme je vous ai dit, je vais m'entraîner. J'ai commencé déjà. On va repasser en guerre classique, en difficile, où vous avez bien vu qu'il y a quand même, allez, collecte, où vous avez bien vu qu'il y a quand même une grosse différence selon ce qu'on va faire. Alors, vous voyez, là, j'ai qu'une étoile. Il faudra que j'aille le faire en 3 étoiles. Selon le positionnement des tourelles, et vous l'avez vu, les lasers sont ultra importants. Il y aura 5 vagues, hein, il y aura un peu de tout. Il y a des mobs bien relous là quand même. Les lasers super importants, tourelles, mitrailleuses niveau 4, mais franchement, ce n'est pas elles qui font la différence, du moins au stade du jeu où je suis, ce n'est pas elles. Regardons à cela, il n'y a l'air d'avoir qu'une seule sortie. On est ici, vous le savez, moi au départ, j'aime bien mettre des lance-roquettes comme ça parce que ça fait du dégât de zone et quand les mecs sortent en groupe, ils se font bien tabasser. Donc j'aime bien mettre ça. Après, évidemment, il faut de la tourelle hein, aussi, même si je dis qu'elles sont pas ouf, il en faut. Mais quand même, les lance-missiles, c'est quand même ce qu'il y a, ça fait beaucoup de quand même, hein, ce qu'il y a le plus efficace selon moi, encore une fois, au niveau où je suis. Donc là, maintenant, il va bien falloir que je mette un laser. Donc, je vais le mettre là, le laser. Pas le choix. Parce qu'il va falloir les défoncer. Ils ne sont pas assez puissants pour tout, pour la T. Voilà. Le problème des lance-roquettes, c'est que ça fait de la masse. Mais c'est pas assez puissant. Oh putain, en plus, là, il m'en met pas mal. C'est pas assez puissant pour la T, les gros mobs. Donc là, il me faut un deuxième laser. Est-ce que je vais pouvoir upgrader? Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de mobs très puissants quand même. Il faut vraiment du laser. Est-ce que j'ai raté un slot quelque part? Non, j'ai pas raté de slot quelque part. Ce que j'aurais pu faire peut-être, c'est mettre ici. Ici, ça pourrait tirer dans les deux coins. Et j'ai peur que là,
ça cède si jamais je remets pas de laser. Donc on va en mettre un pour être sûr. Et j'ai trois lasers là, comme ça on n'a rien qui passe. Normalement, ah si, ça passe, ça passe. Je vais pas faire un perfect sur ce côté là. Est-ce que si je mets un laser là, il va toucher quelque chose? Non. Le laser qui est là ne va rien toucher. Ah si, il touche dès le départ. Donc j'aurais peut-être pu faire ça dès le départ. Je vais encore remettre un laser là parce que pour moi, le laser c'est la vie. C'est la vie, ça passe pas, ça passe pas. Il y en a qu'un qui sera passé, donc peut-être deux. Il faut que j'en mette encore un et je vais mettre une explosion là et je vais upgrader lui. Là j'upgrade à mort à l'arrache. Non, c'est pas passé. Si c'est passé, 10 sur 16, je sais pas si c'était la meilleure des techniques. Si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Deux étoiles, on va recommencer. Je vais poser des lasers plus rapidement parce que là, c'est ce qui m'a pris de court. Alors, on va remettre des lance-roquettes. La même, hein, on refait la même à ce niveau-là, sauf que là, je vais en mettre 3 et pas de mitraillettes. Les mitraillettes, encore une fois, je ne trouve pas que ce soit un bâtiment de ouf. Donc voilà, là j'en ai 3, les 3 devraient tirer. Est-ce que le troisième tire? Non, ici, il est trop loin pour tirer le troisième. Est-ce qu'à ce stade-là, je mets déjà du laser? Je mettrais bien un laser ici, par exemple. Mais je ne sais pas si ce sera le meilleur des choix, enfin, le choix le plus intelligent. On va passer en vitesse x2, je vais upgrader le laser et je vais remettre un lance-roquette ici. Voilà un peu la configuration que je vais tenter pour ce tour-là. On est en vague 2, on est en vitesse x2. Il faut vraiment que le laser fasse son taf et c'est ici qu'il va falloir que je commence à renforcer là. Bon, lui, il va pas passer, le laser va le fumer. Je mets un deuxième laser, il va falloir que je commence à réussir à faire du point pour upgrader. Je vais commencer à upgrader les lasers parce qu'à mon avis, ça va jouer sur ce côté-là. Sachant que c'est pas des niveaux de ouf, hein, c'est pas des niveaux les plus difficiles pour le moment. Ouais, ça passe, j'ai eu peur, j'ai cru que ça n'allait pas passer. Troisième laser, c'est vraiment là que ça va jouer à mon avis. De l'autre côté, c'est assez classique, hein. On va quand même upgrader là. C'est surtout les petits mobs qui sont éclatax, qui se font éclater directement par les lance-roquettes. Faut vraiment que j'upgrade et faut pas que je m'endorme parce que là, sinon ça passera jamais. Vas-y. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Je vais remettre un laser ici. Je upgrade au niveau 3. Là-bas, il y a pas mal de mobs qui passent quand même. Je suis en vitesse x4. Hein. Donc en vitesse x4, il ne faut pas dormir du tout. On va remettre un laser ici. On va re-upgrader. Ça a l'air de tenir. Hein. C'est pas mal pour le moment. Ça tient. Puis je fais du point là-bas. Ça me permet de bien upgrader. Je remets un laser. Je re-upgrade. Rien n'est passé cette fois, donc c'était bien ce que je pensais. C'est vraiment sur la fin, sur ce grand tournant qu'il faut renforcer sur ce niveau-là. Donc vous l'avez vu hein, quand même, les lasers, c'est la vie. On va refaire le niveau d'après, je prends les cadeaux et on fait le niveau d'après. Vous le comprenez donc, à ce stade-là, on est pour le moment qu'au niveau 12. Je vais avancer, on ira plus loin dans les niveaux comme ça pour les prochains tours de défense que je vais vous faire. J'ai la tourelle lance-roquette niveau 4, ça, c'est de la balle. Donc, on voit, il y a une sortie qui va se faire là. Forcément, je bourrine en tourelle. Hein. Là, il n'y a pas de mystère, c'est elle. Je peux les monter niveau 4 directement. Bon, bah voilà, j'en ai mis moins, mais putain, ça tire des boulets de ouf, là. Ça fait vraiment du dommage. Donc, ça va sortir des deux côtés ici. Bon, ça sort à peu près du même endroit. Donc, c'est plutôt... Là, c'est sûr, hein, il n'y a pas de mystère. C'est un carré où il faut mettre, pour moi, que des lance-roquettes. Ça va tirer des deux côtés. Vous voyez, ça va sortir des deux côtés. J'accélère parce que sinon, on va attendre 3 plombs. Voilà, passe en x4 et on repasse en x2 après. Ça va sortir des deux côtés. Il faut donc upgrader des deux côtés. Et c'est celui-là, le prochain qu'il faut monter. Ce serait bien qu'il me fasse du point un petit peu. Ouh, ça passe. Il est passé, il y en a un qui est passé. Donc forcément, c'est tendu. Je vais commencer à mettre des lasers ici. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. On repasse en x4. Il va falloir que j'upgrade ça. Il va falloir que j'upgrade là. Dépêche-toi. Ça commence à passer. Là, franchement, quand ça commence à passer, c'est pas bon signe du tout. Hein. Là, ça craint de ouf en plus. Oh, c'est chaud. Il faut pas que ça passe. Il faut pas. Ah, ça sort aussi ici. J'avais pas vu qu'il y avait une sortie ici. Alors là, c'est la lutte. Bon, là, ce niveau-là, on va le recommencer tout de suite. Hein, rejouer. Parce que là, j'aurais perdu. Hein. Donc, il faut que je travaille différemment. Je vais mettre des tourelles ici déjà. Il va falloir que ça bloque plus à ce niveau-là et peut-être moins à ce niveau-là. Je vais en mettre ici aussi et je vais m'arrêter au stade niveau 2. Et je vais commencer ici à mettre des lasers. Je vous l'ai dit, hein, les lasers, selon moi, c'est la vie. Allez, on va passer en niveau 3 sur
celui-là et sur celui-là qui est sur deux zones. Et on va accélérer, on va passer en vitesse x4. Normalement, là, ça devrait déjà mieux tenir. Mais il va falloir tout un tour avec des lasers. Hein. Il va falloir que je me place ici plutôt, que ça tire ici. Lui, est-ce qu'il va m'aider si je le mets là? Allez, je vais quand même le mettre là, lui, parce que ça va bien m'aider de l'avoir sur le côté là qui tire. On va l'upgrader et ici, il va falloir... Donc, j'ai un premier laser là. Il va me falloir aussi une rangée de lasers ici. Parce qu'à mon avis, ça va bien sortir par là. Ça va bien sortir par le deuxième spot, ouais. Et c'est là, il va falloir que j'arrive à la pure... Le laser, il tire, là. Là, c'est la bonne plante, là. Le laser qui est là, il tire des deux côtés, en fait. J'avais pas percuté ça. C'est une super nouvelle de voir ça. Là, ça va être chaud. Il y a des mobs qui arrivent. Ils sont tendax de ouf. Il va falloir que je mette un laser ici aussi. Je vais le passer niveau 3. Mais là, je vous cacherai pas que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et je suis pas sûr de réussir à tout tenir. Il va me falloir aussi un laser ici. Et ils sont chauds au nord là. Il faudrait que j'upgrade pour que ça fasse plus de dommages. Ici, il faut que j'upgrade aussi. J'upgrade le laser aussi parce qu'il faut pas que ça passe. J'upgrade cette tourelle là. Là, c'est quand même bien tendu. Je vous le cacherai pas. Les amis, c'est un petit peu chaud, je ne sais pas combien de temps, si je vais réussir à tous le boss en plus, si je vais réussir à tous les déglinguer parce que c'est quand même très très tendu. On va ralentir la vitesse parce qu'il faut que j'upgrade quand même là, ça me paraît compliqué. Hein. Il va falloir que je mette un laser aussi ici à mon avis. Est-ce qu'on va réussir à dégommer tous les mobs? Je ne sais pas, là à mon avis le dernier, lui à mon avis il passe. Malheureusement, il y en a un qui va passer, le boss ne passera pas mais lui il va passer, j'arriverai pas à le descendre. Je continue d'upgrader, mais je ne peux pas faire grand-chose de plus, puisque c'est fini. Ouais. Il y en a un qui passe, donc je ne vais pas faire un perfect. Il faudra que je recommence ce niveau. Le boss, est-ce qu'il... Non, le boss, normalement, passera pas. Enfin, normalement, ouais. Le boss devrait pas passer, il devrait pas passer. Et le boss est passé, il m'a déglingué. Hein. Donc, je n'ai fait qu'une étoile. Il faudra que je recommence ce niveau. Vous l'avez vu, il est tendu, mais il y a moyen de passer. Les lasers encore seront la clé. Vous avez encore une fois des tips pour mieux réussir, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. On va continuer à évoluer pour vous donner plus de tips en commençant le jeu. Bien évidemment, si vous voulez d'ailleurs le commencer, n'hésitez pas à le télécharger avec le premier lien en description de la vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur AOZ.